au sein de l'Église.
singe na yete moko na moko akamba malamu na ndako na Nzambe. Alléluia. Amen. Nous devons veiller à ce que chacun se conduise convenablement. Et cette vigilance peut se faire en amont comme en aval. Mais nous devons veiller. Et nous avons également parcouru ensemble les occasions qui demandent à ce que l'on exerce la discipline. Nous avons dit que plusieurs occasions peuvent être favorables pour que l'on discipline quelqu'un. Premièrement, nous avons vu lorsque il y a une faute doctrinale, quand quelqu'un commence à aller à l'encontre ou il dit des choses qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Notamment lorsqu'il commence à parler des hérésies, une telle personne doit être disciplinée. Alléluia. Amen. L'on a vu également que lorsque quelqu'un commet une faute dans sa conduite, par exemple quelqu'un qui devient oisif, quelqu'un qui de plus en plus devient médisant, quelqu'un qui insulte, quand quelqu'un commence à commettre des fautes, on peut les discipliner. Alléluia. Amen. Lorsque par exemple il suscite ou il incite des gens aux disputes, lorsque il est par exemple en train de chercher à diviser les frères et les sœurs, on doit le discipliner. Alléluia. Amen. Mais également on a dit que toutes les fois que quelqu'un peut pécher et que ce péché là trouble la paix de l'église, on doit le discipliner. Alléluia. Amen. Lorsque le péché que je commets, que tu commets, que quelqu'un commet, trouble la paix de l'église, alors là il faudra que l'on nous discipline. Lorsque le péché entache les témoignages de l'église, il faudra faire appel à la discipline. Alléluia. Amen. Et nous avons fait remarquer que nous ne devons pas trop discriminer pour dire, bon, là on ne doit pas discipliner parce qu'apparemment le péché n'est pas grand, ici on doit discipliner parce que ça a une grande ampleur. Non, tout péché appelle la discipline. Pour le bâti, le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de salibo et tout symbole, il dit sous-mounio, le Seigneur est symbole. Parce que l'idée de la Bible, c'est que toute personne qui viole les prescrits de la parole de Dieu doivent être ramenés à l'ordre. Et nous avons également parcouru le but attendu de la discipline. On a dit premièrement que la discipline, elle vient justement pour corriger une fausse situation quelconque, et la discipline vient pour corriger. Nous avons également vu que la discipline vise à dénoncer ou à excommunier des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui s'infiltrent dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas régénérés, et ils amènent le désordre dans l'église. Et la discipline permet que l'on le dénonce, et la dernière sanction, même la plus forte, on peut même les excommunier. Nous avons également vu que la discipline vise à rétablir celui, par exemple, qui est tombé. Un chrétien qui a
renforcer la discipline. Ou encore ramener un croyant qui s'est égaré. La discipline aide à le ramener. Alléluia. Amen. La discipline vise également à maintenir le bon témoignage de l'Église. Pas de discipline dans l'Église, pas de bon témoignage dans l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas considérer la discipline comme une punition, non. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la discipline, et c'est comme notre papa nous l'a dit la fois passée, la discipline est avantageuse d'abord pour celui qui est discipliné. C'est quelque chose qui a un but positif, nous ramener sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Par la discipline, au fait, on nous manifeste la grâce de Dieu dans notre vie. Et c'est comme ça que papa disait, on ne peut que discipliner quelqu'un que l'on aime bien. Lorsque l'on exerce la discipline sur nous, c'est qu'on nous aime et la grâce de Dieu est encore là. Alléluia. Amen. Si on ne nous discipline pas, on nous laisse lentement mais sûrement aller nous enterrer nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la discipline pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est un moyen de guérison spirituelle. C'est un moyen de rétablissement spirituel. Alléluia. Amen. Parce que elle se limite seulement dans l'Église et sur les chrétiens. Nous n'avons pas besoin d'aller discipliner les païens. Eux, ils ont besoin d'être évangélisés. Mais c'est le chrétien qui a besoin d'être discipliné. Et nous avons entamé, évidemment, de voir les différents degrés ou types de discipline que nous pouvons avoir. Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs degrés de discipline. Et le premier degré que nous avons entamé, c'est l'avertissement. L'avertissement. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'encourager ce degré dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Ce degré de discipline, on y recourt généralement dans les cas où un chrétien commence à dévier dans sa conduite. Lorsque nous remarquons que quelqu'un commence à se rébeller, en fait, il commence à s'opposer à ce qui est correct et normal. Le premier degré de la discipline, c'est pouvoir avertir. Frère, ces jours-ci, on ne te voit pas bien te conduire. Tu commences à fréquenter des gens qui fument beaucoup de chanvre et tu es dans leur milieu. Il faudra faire attention. Sœur, ces jours-ci, on te voit trop en train de jouer sur la route avec les garçons. On t'avertit. C'est le premier degré. On cherche à ce que tu reviennes sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Frère, ce jour-ci, tu es trop négligent dans ton service à l'église. Frère, ce jour-ci, tu t'absentes trop au culte. On use d'avertissement.
C'est dangereux parce que en t'absentant des cultes, tu risques de te couper de la communion. Alléluia. Amen. Et on peut avertir comme ça. Et on peut également avertir quelqu'un qui refuse de se soumettre, par exemple, à ceux qui sont établis sur lui. Ceux qui doivent exercer une autorité spirituelle sur lui, et la personne commence à se rebeller, commence à s'opposer, on devra aussi l'avertir. Les avertissements peuvent être directs, mais les avertissements peuvent également passer par un enseignement systématique. Par exemple, tous ces dimanches, on nous parle de vrais disciples de Christ. Cet enseignement systématique peut nous prévenir. Dans ce sens que chacun peut s'évaluer et voir si il est un vrai disciple aligné ou alors c'est un faux disciple. Et c'est un avertissement. Pourquoi? Parce que si on est faux, on risque de manquer même le but ou l'objectif que Dieu s'est assigné pour notre vie. Donc un enseignement systématique peut nous permettre, peut nous faire voir ou peut nous aider à revenir sur le chemin. Alléluia. Amen. Et cet enseignement peut être un avertissement, mais un avertissement préventif. Par exemple, lorsque on peut nous enseigner systématiquement sur les dangers des relations sexuelles avant le mariage. C'est un avertissement, c'est une discipline préventive. Pour que ceux qui ne connaissent pas encore cette expérience puissent se préserver et se garder. Mais également, cela peut être un avertissement curatif pour permettre à ceux qui sont déjà tombés de se relever et de ne plus y retomber. Alléluia. Amen. Le deuxième degré de discipline, c'est l'isolement. Alléluia. Amen. En fait, lorsque l'on parle de l'isolement, l'on appelle l'église à pouvoir s'éloigner de ceux qui ne changent pas dans leur conduite. Après l'avertissement, lorsque l'on a usé de tous les moyens pour pouvoir avertir de manière préventive ou curative et que la personne persiste dans sa méconduite, on peut passer maintenant à l'isolement. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, à partir du verset 11. Il dit: nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Amen. Il dit: notez-le. N'ayez point de communication. Il faudra l'isoler. C'est parmi
sont incomprises. L'isolement. Il consiste à couper une personne de la vie chrétienne normale. Parce que la vie chrétienne normale, nous devons être en communion, nous devons être en communication, nous devons vivre en communion fraternelle. Mais lorsque une personne qui vit dans le désordre est avertie et qui n'entend pas tous les avertissements, nous devons passer à l'étape de pouvoir le couper justement de la vie d'ensemble. Et une personne peut connaître trois types d'isolement. Le premier type d'isolement, c'est le couper de la communion fraternelle. On le coupe de la communion fraternelle. Il vient, nous prions ensemble. Mais nous ne savons pas être ensemble pour parler, pour discuter, pour nous asseoir. C'est le premier type d'isolement. Le deuxième type d'isolement, c'est le priver de la table du Seigneur. On l'isole, on ne lui permet pas de prendre part à la Sainte Cène. Parce que prenant part à la Sainte Cène, ça veut dire qu'il est en communion avec nous et en communion avec Dieu. C'est le deuxième type d'isolement. Et le troisième type d'isolement, c'est de pouvoir l'isoler du service dans l'église. On le suspend pour un temps, de manière à ce que pendant le temps d'isolement, qu'il ait la possibilité de réfléchir, de méditer sur sa vie, de méditer sur sa conduite. Au fait, le principe de l'isolement est illustré déjà depuis l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, lorsque l'on pouvait isoler un sacrificateur, on parlait de pouvoir isoler les sacrificateurs qui avaient peut-être un défaut corporel. On les mettait à part. Vous pouvez les lire dans Lévitique, le chapitre 21, à partir du verset 16. Et vous pouvez également le comparer à 2 Pierre, le chapitre 1er, au verset 9. En fait, le but de l'isolement est de faire justement appel à la conscience du coupable. Et en fait, par cette action, on veut le rendre honteux, qu'il éprouve la honte, comme l'apôtre Paul de sa conduite, afin qu'il se répande justement. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus dit, s'il n'écoute pas l'avertissement, appelle une ou deux personnes. Comme ça, l'affaire sera statué sur des positions de deux ou trois témoins. Il n'écoute pas ces personnes amener la chose à l'église. Et s'il n'écoute toujours pas l'église, considérez-le comme un païen. Alléluia. Amen. L'objectif n'est pas de le perdre, mais l'objectif est qu'il puisse se répandre. Dit. Parce que Jésus dit, s'il se répand, tu auras gagné ton frère. Alléluia. Amen. La discipline ne vient pas pour que quelqu'un puisse se perdre. Si quelqu'un qui est discipliné se perd, c'est que son cœur n'était pas disposé à rentrer dans l'ordre.
Quelqu'un qui est discipliné et qui se révolte, ou qui se dit de toutes les façons, je m'en fous, je rentre dans le monde, c'est que sa conversion avait d'abord un problème. Ou alors, s'il était vraiment né de nouveau, il a laissé son cœur être corrompu par le diable. Et il ne veut même plus écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La discipline, c'est à notre avantage. Alléluia. Amen. Il doit éprouver la honte et il doit se repentir. Mais si cet isolement, ne produit pas de tristesse dans la vie de la personne, disons-nous que le cas de cette personne est très grave. Si on reste insensible à la discipline, surtout à l'isolement, alors c'est que notre cas est grave. Notre cas est grave. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il faudra le qualifier. Et le troisième degré de la discipline, c'est l'exclusion ou l'excommunication. Là, c'est le degré extrême de la discipline dans l'Église. C'est le degré le plus extrême. L'excommunication. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Il dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec une telle personne. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Amen. 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 Une résolution extrême. Une discipline qui s'exerce sur des personnes se nommant frères, mais qui vivent dans le désordre. Au fait, l'excommunication est réservée à celui qui se dit chrétien, mais qui vit délibérément dans le péché, au fait sans le moindre désir de la repentance, malgré tous les avertissements, malgré l'isolement qu'il a subi, pour lui ça ne change rien. Il continue la vie dans le désordre comme bon lui semble. Alors celui-là, on devra l'excommuniquer. Alléluia. Amen. En fait, c'est la dernière mesure inévitable mais douloureuse. Donc là, c'est quand l'Église n'a plus outre mesure. Et là, c'est une mesure qui est prise. Et on l'excommunique. Avec certainement un cœur brisé. Avec un cœur peinant. On voit quelqu'un avec qui l'on était. On est obligé de lui dire non, 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 non. Pour nous, tu es un païen. On va recommencer peut-être à t'évangéliser, mais te considérer comme enfant de Dieu là, là on ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Et
lorsque l'on prend une telle mesure, naturellement, on le communique à toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Pas seulement à notre assemblée, mais l'on peut parvenir à le faire également à d'autres églises sœurs. Parce qu'une telle personne peut quitter cette église, alors qu'on l'a excommunié, il va pour se réfugier dans une autre église sœur. Non, l'église aura la responsabilité de pouvoir communiquer pour dire celui-là on l'a excommunié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci doit se faire également réciproquement. Les autres églises, lorsque ils peuvent discipliner à cette mesure-là, ils doivent également communiquer aux autres églises. C'est simplement pour que cette mesure soit respectée par tous. L'on ne peut pas ici accepter quelqu'un en communion alors qu'il a été excommunié dans une autre église. C'est ce qui fait que généralement, lorsque quelqu'un vient ici, on lui demande une lettre de témoignage de tous les vœux. Et c'est comme papa a dit, quand quelqu'un aussi va ailleurs, généralement on lui dit, il n'y a pas de problème, si on te demande la lettre de témoignage, viens demander et on peut te la donner. Papa mingi parle baka, ceux qui m'ont allégué que des signes mususu, ceux qui a signé mon candidat et militatoli, ils commencent à te couper ça yango. Alléluia. Amen. Et il est très très important de pouvoir le faire. Mais dans ce cas, quelle est la conduite que nous devons tenir? 2 Jean chapitre 6, à partir du verset 7. 2 Jean à partir du verset 7. Regardez ce que la Bible nous dit comme conduite à tenir. Il est écrit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions en pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quelqu'un a entendu? Quoique juste beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te salue. Amen. Amen. Voilà la conduite que nous devons tenir. On dit pareil personne, il ne faudra même pas les recevoir chez nous. Vous savez, c'est un piège que de penser que puisque nous étions avec tel frère, telle autre sœur, alors qu'il est excommunié, que l'on pense que l'on est le plus apte à pouvoir les recevoir chez soi. Beaucoup de gens se sont égarés en tombant dans ces pièges. Si Jésus-Christ lui-même a estimé que si la personne n'a pas écouté l'église, il faut la considérer comme païen. Alors toi ne commets pas l'erreur. Ne commettons pas l'erreur de penser que nous pouvons être plus que l'église pour lui apporter réconfort ou le ramener sur le droit chemin.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une erreur. L'apôtre Jean dit, faites attention. Il ne faudra même pas que tu les reçoives chez toi. Vous voyez, c'est même dur. Hein? Il dit, ne lui dis même pas salut. Parce que quand tu les salues, tu participes à ses mauvaises œuvres. Je crois qu'on allait dire, ah, apôtre Jean, tu es très très dur. Nous sommes quand même dans une société. Comment je peux passer quelqu'un sans lui dire salut? Mais c'est la Bible. Parce que la Bible a un objectif. C'est l'amener justement à prendre conscience. De sorte à ce qu'il revienne. En fait, quand nous prenons le risque de lui ouvrir nos portes, nous ne lui donnons pas la possibilité de prendre conscience de la gravité de ses actions. Et par conséquent, nous nous constituons même un obstacle pour sa repentance. Alors que nous pensons que nous lui offrons quand même une épaule, il peut mettre sa tête et puis c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est une erreur qui peut même nous entraîner nous-mêmes. Jean dit, nous participons à ses mauvaises œuvres. Nous participons. Nous prenons part. Et nous devons faire très très attention là-dessus. C'est comme ça qu'une église locale qui admet en son sein une personne excommuniée ou une personne qui n'a pas été réhabilitée par une autre communauté, nous commettrons une triple faute. Dans ce sens que nous commettons une faute envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que son temple, son église sera souillée par quelqu'un qui n'a pas une bonne conduite. Nous commettons également une faute envers son église d'origine, de provenance. Pourquoi? Parce que nous avons fragilisé la décision qui était venue de là. Alléluia. Amen. Et nous brisons même la communion avec cette église. Et enfin, nous commettons également une faute envers la personne qui est exclue. Pourquoi? On va l'encourager dans son mal. Il ne va pas comprendre que ce qu'il avait fait était mal. Et il sera en train même avec risque de participer indignement à la table du Seigneur. Avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre lorsque la Bible nous parle de ceux qui prennent indignement part à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. S'il arrive au cas où ce qui est commis, qu'une décision d'excommunication soit contestée par d'autres, et les autres assemblées peuvent se dire non, la mesure a été très forte dans cette église. Alors il faudra que les églises se mettent d'accord pour avoir un consensus et régler ces différends. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faudra pas que quelqu'un qui est accepté par les uns soit rejeté par les autres. Avec la permission de papa, je voudrais laisser la parole. Là, papa. Partons sans de toi, j'avance. Seul de ta puissance, fort de ta présence, je...